Les produits sont à base d'arachide noix de cajou. On a des produits très innovants, des produits sains. On développe d'ailleurs cette culture de snacks sains avec des produits avec une très grande qualité gustative. Nous avons à peu près 90% du staff qui vient de la région, donc qui viennent de Rufisque, de Cœur Niaïlo. Donc on peut dire que nous avons un impact dans le développement de la région. Le chiffre d'affaires a été multiplié par 6 depuis notre investissement. Terrain au capital facilite le développement de la société, c'est-à-dire la mise en place d'organes de gouvernance, d'instances de gouvernance. C'est un accompagnement et ce sont des critères d'impact qui pour nous sont importants. En plus du financement, Terrega Capital nous a beaucoup apporté dans la gestion de l'entreprise. Aujourd'hui, nous avons un conseil d'administration qui se fait tous les 3 mois. On a la chance d'avoir avec Terrega l'assistance technique. Nous savons faire aujourd'hui calculer les marges que nous faisons sur tous les produits parce que nous avons mis en place une mission de consulting en comptabilité analytique avec Terrega. Lisa & Co est une société emblématique au Sénégal, avant tout parce qu'elle travaille des matières premières locales qui sont issues du terroir du Sénégal. Elle est innovante puisqu'elle transforme ses produits avec des recettes qu'on pourrait qualifier d'originales. C'est une entreprise qui est dirigée par une femme, c'est donc quelque chose de spécifique. Il y a beaucoup de salariés de l'entreprise qui habitent autour du site. Accompagner des entreprises comme Lisa & Co, c'est permettre à des populations défavorisées d'avoir accès à un travail. Près de 90% des entreprises sont des PME. 40% du PIB est porté par les PME. C'est dire qu'il est essentiel que les acteurs du développement accentuent leurs efforts sur l'accompagnement de ces sociétés-là à l'accès au financement.